Bonjour Noam. Bonjour, salut Charlotte. Ça fait maintenant 7 ans que tu fais partie de la troupe de la Comédie Française. Est-ce que tu peux nous parler de ton entrée et nous faire un petit déroulé des événements? Comment ça s'est passé? Ok, c'est parti. 7 ans en arrière. J'habite à Nogent-sur-Marne. Muriel Mayette était mon professeur au conservatoire. Je suis en train de travailler à mon ordinateur. Je reçois un mail de Muriel qui me dit « Est-ce que tu peux m'appeler là, au bureau ?» Comme ça, un mail qui aurait pu passer n'importe où dans les spams. J'appelle, elle me dit « Est-ce que tu peux passer au bureau ?» Je me dis « Putain, le bureau, c'est la Comédie Française. » Donc, évidemment, je cours, je traverse tout Paris en moins de 10 minutes, sans doute avec le RER. Et puis, j'arrive dans son bureau et je découvre le lieu qui, à chaque fois d'ailleurs, m'émerveille. Cet étage où aujourd'hui il y a Eric Ruff. Et elle me dit, écoute, je cherche un acteur pour jouer demain dans le jeu de l'amour et du hasard. Il faut jouer Harlequin à Lyon. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah oui, si tu veux, oui. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, bah écoute, tu prends un texte, là on prend tes mesures, on te met un costume. Puis tu vas avec eux et puis tu vois avec eux et puis vous allez jouer ça. Demain, il y a un lever de rideau et là, il faut vite remplacer. Et donc, j'ai reçu un texte dans les mains, un DVD du spectacle. Et le soir, je crois, j'ai regardé plusieurs fois le spectacle. J'ai appris mon texte. Et le lendemain, j'étais à Lyon avec des acteurs que je ne connaissais pas dans la troupe de la Comédie Française et jeté comme ça sur un plateau. Alors, même si c'est mon métier, c'était un peu fou. Et puis, je m'étais préparé, hein, mais surtout, je me rendais compte qu'au moment où le rideau s'est levé, les spectateurs, eux, dans la salle, ne savaient pas ce qui était en train de se jouer pour moi en même temps que le spectacle se jouait. C'est-à-dire, moi, je me rendais compte que j'étais là avec des acteurs de la Comédie Française. Pour moi, cette troupe était magnifique et elle est d'autant plus aujourd'hui parce que je la connais mieux et elle s'est renouvelée. Et voilà, et au moment où je jouais, personne ne savait, ni mes parents, ni mes copains, personne ne savait que j'étais parti faire ça à Lyon. Et je crois au bout de quelques jours, Muriel m'a appelé en me disant « Alors, comment ça se passe ?» Je lui ai dit « Bah, bien, je crois. Les gens ne me jettent pas des poireaux au visage et le spectacle… » a l'air d'être joué. Elle me dit ok, bah on continue alors et puis on se verra bientôt. Voilà comment je suis rentré dans la troupe d'un coup. Et comment s'est passé l'accueil des comédiens de la troupe? Je pense que pour eux c'était très étrange de voir débarquer un étranger à l'énergie, à la création du spectacle. C'est vraiment, il y avait une chose comme ça où on se regardait un peu, il fallait s'appréhender. J'ai eu Gérard Giroudon à l'époque, il était français, il était doyen et puis il était. Il était doyen, il me semble. Il était chef de troupe en tout cas, c'était le plus ancien du groupe et donc on dit que c'est le chef de troupe. Et lui, il m'a pris tout de suite sous son aile. Il m'a dit, je vais te raconter comment ça se passe. Il m'a présenté chaque personne. Il m'a mis à l'aise. Ça, c'était vraiment génial. Et puis, de toute façon, il fallait jouer. Alors que c'était Léonie Simaga, Suliane, Brahim, Pierre Ancis, Alexandre Pavlov et Gérard Giraudon. Je crois que j'oublie personne. Non, je crois que c'est bon. Donc l'accueil était émouvant, mais je comprends. Aujourd'hui, je comprends. C'est vrai que c'est pas si simple de voir quelqu'un débarquer dans la création d'un spectacle. On n'est pas interchangeable. Il n'empêche quand ces choses-là arrivent, comment on deal avec. Mais j'ai adoré cette arrivée sans prévenir. J'ai l'impression que ça me correspond, cette chose de surprise et de surprendre et d'être là où on ne m'attendait pas. J'ai l'impression que c'est ça maintenant ma place aux Français aussi.
Ici, on revient sur ton parcours. Enfant, tu vivais à Toulouse et à partir de 8 ans, tu commences à la fois des cours de piano et des cours de comédie. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours à la fois musical et théâtral? Alors, Toulouse, c'est la ville de mon cœur, c'est la ville rose. Je crois que je faisais du théâtre, un théâtre qui existe encore, qui s'appelle le théâtre du Grand Rond, à côté de l'école du Grand Rond. Donc, il y avait une école primaire et mes parents m'avaient mis là-bas à côté. Et on jouait Ubu Roi. Je me souviens que il y avait une scène où chacun devait tomber, on s'effondrait. Chacun, enfin, il y avait une ligne comme ça et on devait tomber mort. Et je me souviens que chacun faisait une mort, chacun son tour, sur scène. Et le professeur passait avec quelqu'un accompagné, dont je ne me souviens plus les visages, et puis il présentait chaque acteur et actrice de cette petite troupe amateur. Et je me souviens qu'au moment où je suis tombé, il a susurré à l'oreille, je l'ai entendu, je crois que c'est un souvenir, un vrai. Il a dit, lui, il est très bien, lui. Et moi, je me souviens que pendant qu'il disait ça, moi, j'avais très mal, parce que je m'étais fait mal partout. J'avais très mal aux genoux, aux coudes, j'avais tout donné pour tomber. C'est vraiment un... Et en même temps, j'avais adoré faire ça. J'avais adoré avoir mal, puisque à la clé, j'avais un compliment. Incroyable ce métier. Et voilà, et la musique, c'est parce que c'était très important pour ma mère que nos frères et sœurs, on est quatre enfants, fassent de la musique. Moi, je fais du piano, mon grand frère de la guitare, ma grande sœur du saxophone et ma petite sœur de la clarinette. Et mon père a un peu de flûte, mais ça, c'est vraiment inaudible, mon père de piano. Donc, c'était important de toujours, il y a toujours eu un piano à la maison, j'en ai un chez moi, j'en aurai toujours un chez moi. Ouais, je pense que aussi c'est parce que elle, dans le petit appartement dans lequel elle vivait avec ses sœurs, il n'y avait pas la place d'avoir un piano. Je pense que quand elle est devenue adulte, en âge d'avoir des enfants, alors elle a pu faire la vie dont elle rêvait et de mettre les enfants coûte que coûte à un instrument. Donc ça résonnait musique, mais on n'est pas des musiciens professionnels. C'était un infernal de Bach et de Mozart, d'Arabesque et Erik Satie. Ça, c'était génial. Ma mère jouait Erik Satie beaucoup. Ça, moi, j'adorais. Ça, vraiment, c'était des harmonies tellement, des frottements tellement étranges, tellement. Ah ouais, c'était un espace très particulier, les harmonies d'Erik Satie. Vraiment ça, j'ai entendu ça toute mon enfance. Voilà comment était combiné. Puis ça m'a jamais quitté. J'ai toujours continué après la musique en autonome, à prendre des cours à droite à gauche de jazz. Mais le piano sera toujours là, jusqu'au français d'ailleurs. Au français, beaucoup de gens sont musiciens. Ça, c'est un super truc. Justement, aujourd'hui, quelle part la musique a-t-elle dans ton travail de comédien, se demande Baptiste. Alors, je vais te répondre, Baptiste. La musique est là en permanence. Souvent, c'est drôle, je sais qu'il y a des acteurs, par exemple, dans la troupe, à la Comédie-Française, ils associent un personnage à un parfum. On a dû vous le dire dans les causeries, ou à une image en particulier, une icône. Eh bien, moi, comme sans doute d'autres, moi, par exemple, quand je me prépare avant d'entrer en scène, il y a certains morceaux que j'écoute qui m'aident pas à me concentrer, mais qui font vibrer un état émotionnel dont j'ai besoin pour entrer en scène. J'écoute pas ça en coulisses, hein, j'écoute ça dans ma loge. Parce qu'en coulisses, j'écoute tous les bruits qui font que il va falloir que j'entre en scène. Donc, on est avec les camarades, on est avec la technique. Et moi, j'adore ça. Je prends la mesure de tous les bruits. Mais la musique, je sais que, par exemple, la Locandira qu'on a jouée avec Françon, bon, alors lui, c'était tellement métronomique, ce qu'il demandait que je me préparais dans ma loge en écoutant du Bach. Tout simplement en écoutant le clavier bien tempéré, là, de Bach, et pas seulement Glenn Gould, mais je sais que ça me mettait dans un état
d'une mécanique bien huilée et en même temps géniale à entendre, par exemple. Ou évidemment les ouvertures de Wagner, ça c'est génial, c'est foisonnant, c'est une arborescence d'émotions disponibles, ça c'est incroyable. Donc, mais c'est pas très précis, c'est pas, j'ai pas un morceau par personnage. Je pense que Vania de Julie Deliquet, je crois que j'écoutais, je devais écouter l'Adagio d'Albinoni. Parce que j'aime ce morceau tellement. Ouais, ça, par exemple, je crois. Ça me mettait dans un état de mélancolie et de nostalgie et d'une chose comme ça qui progresse, douce, amère, surtout pas violente. Tu jouais du piano d'ailleurs dans cette pièce. Ouais, dans Vania, ouais. Ouais. Ça, c'était des impros. Enfin, je joue du piano. J'ai l'impression que le personnage que je fais, il est. J'ai l'impression de taper sur un piano. Le piano arrive à un moment où la fête. Ça dérive. C'est-à-dire, il y a l'alcool. Depuis le début de la nuit, enfin là, on est rentré dans la nuit, on n'en peut plus. Tout le monde commence à boire et à boire et à boire. C'est vrai que la musique arrive comme une espèce d'apothéose, comme ça, avec Stéphane à la guitare, Laurence Stocker au clap, et puis moi au piano. Ça, c'était super. Ouais. Donc en 97, tu suis la formation du cours Simon et qu'est-ce que cela t'a apporté? Qu'est-ce que ça demande Chloé? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, Chloé, le cours Simon, c'est un cours dont on m'avait parlé. Et moi, comme je viens de Toulouse, je débarquais à Paris. J'ai débarqué à Paris vers 11-12 ans et j'avais envie de continuer le théâtre. Le cours Simon, c'était sans doute parce que Louis de Funès, parce que sans doute des gens, parce que Jean Carmet, je crois. C'était des noms comme ça impressionnants qui étaient passés par ce cours maintenant. Le souvenir que j'en ai, c'est une petite salle avec des bancs très bas et on regarde jouer des pieds, parce qu'on est à ras du sol. Avec mon professeur Chantal Bruyère, qui est d'ailleurs directrice aujourd'hui, qui a succédé à Rosine Marga, qui est décédée. Chantal, qui m'a toujours fait penser à Duras, qu'un regard perçant. C'est une formation très. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais moi à l'époque, c'était assez austère. On travaillait nos scènes, il y avait un silence de mort dans la salle. Pour débuter une scène, Chantal faisait sonner son stylo de métal sur un cendrier, et c'était au son de cette petite cloche comme ça qui se répandait dans l'air, où on se lançait sur le plateau dans un silence infernal. Enfin, j'ai passé de nombreuses années, j'ai plein de copains maintenant qui viennent du cours Simon. Mais du cours Simon, après, j'ai essayé plein de cours. Je crois que j'ai toujours aimé ça, fouiller. J'ai fait plein de cours. J'ai fait Périmonie, j'ai fait Asnières, le studio d'Asnières. J'ai fait un jour chez Florent dans la classe d'Auvray-Nauroy pour voir ce que c'était. Je pense que j'aurais continué si j'avais pas si j'avais pas eu le conservatoire. Ça m'intéressait Justement, de. quand le conservatoire, c'était quand? C'était combien de Conservatoire, c'est temps après? 2003, 2003-2006. Je suis rentré la première année, je l'ai pas eu. J'ai eu, j'ai, je crois que je suis allé, je crois que j'ai pas eu le deuxième tour, donc je me suis préparé mieux sans doute. Et je connaissais mieux l'endroit dans lequel je préparais mes scènes pour le conservatoire. Et ça, c'était magnifique le conservatoire. Ça, j'en retiens. Je crois que j'avais découvert l'existence du conservatoire par un documentaire sur FR3. À l'époque, des élèves s'engueulaient avec Jacques Lassalle. C'est un documentaire très connu, que tout le monde a vu d'ailleurs. Et ça m'avait passionné. Je me suis dit, quand même, le conservatoire, c'est cette grande institution. C'est drôle, j'ai des copains du conservatoire qui m'ont dit qu'à l'époque, je parlais de la Comédie française. Alors que pour moi, maintenant que j'y suis, je n'avais pas l'impression que c'était
C'est un endroit qui me plaisait. J'allais y voir des spectacles comme j'allais ailleurs, à la Cartoucherie, à l'Odéon, à Nanterre. Mais je n'avais pas l'impression que j'en parlais tant que ça, en fait, sans doute que si. Mais alors, au conservatoire, c'était des professeurs comme Dominique Valadier, Lucas Emleb, Daniel Mesguich, Andrzej Séverine, par exemple, qui était sociétaire. Irène, elle se demande d'ailleurs si tu as fait des rencontres au conservatoire qui ont marqué la suite de ta carrière. Oui, en tout cas, bah déjà j'ai des amis. J'ai des amis qui sont là encore aujourd'hui et pour qui je suis encore là, j'ai l'impression. J'ai rencontré Muriel Mayette, qui notamment était administratrice et c'est elle qui m'a engagé à la Comédie-Française. C'était une école où on allait de projet en projet et puis on apprenait surtout à savoir si on était capable de s'adapter à tel metteur en scène, tel professeur, mais c'était des metteurs en scène quand il était question d'un projet. Et est-ce qu'on avait la capacité d'être malléable, d'être souple, et jusqu'où on irait pour entrer dans un spectacle. Après, moi, le côté école scolaire, cours de diction, cours de versification, cours d'histoire du théâtre, cours, tout ça, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Le côté académique m'intéressait pas beaucoup. Moi, je préférais les cours d'interprétation, c'est-à-dire dans le vif du sujet. J'ai jamais vraiment aimé la théorie. À l'époque, Claude Strat, c'était directeur du conservatoire. Je sais qu'on parlait beaucoup sur ça, sur le fait qu'il fallait que j'accepte ces cours, que je m'adapte. Et ça, c'est normal de s'adapter. Mais c'est ça aussi l'école. On y va pour apprendre et puis pour apprendre aussi qui on veut devenir. Et quel acteur on aimerait fouiller être. Mais voilà, ça c'était ça pour moi. Enfin, c'était passionnant le conservatoire, passionnant. Et puis j'ai découvert dans la bibliothèque, j'ai découvert évidemment, j'ai découvert Tchekhov mieux, j'ai découvert Beckett que je connaissais pas assez, redécouvert. J'ai découvert Cobert. Voilà, par exemple, les spectacles de Philippe Cobert, parce qu'il y avait un couple dans ma promo au conservatoire qui s'identifiait à Philippe Cobert et Clémence Massard, qui était ce couple mythique dont parle Philippe Cobert et dont il joue tous les personnages. Et il y avait un couple qui s'identifiait à eux et je les trouvais sublimes, eux deux, ce couple de ma promo. Et donc, ça m'a emmené vers Philippe Cobert. Donc, j'ai regardé et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce théâtre, cet homme qui fait tous ces gens crédible. Et puis moi j'adore le masque. Et donc avec le visage de Philippe Cobert, je voyais plein de masques à l'intérieur de sa peau. Et ça m'a emmené vers Ariane Mnouchkine. Et je n'avais jamais rien vu d'elle. Et donc j'ai vu tous les spectacles en vidéo que je pouvais voir, jusqu'à aller voir le dernier Caravansérail à l'époque, à la Cartoucherie. Et puis là, ça a été une révélation. C'est vrai, on ne fait pas des spectacles comme ça aux Français, mais j'adorerais moi. Et en même temps, je suis allé vers une troupe. Moi, le côté on est un groupe et coûte que coûte, on vit ensemble, eh ben, cette difficulté me plaît parce que en même temps, c'est la fête. La troupe, c'est la fête. Tu t'es formé en parallèle au métier du son, à l'Institut national de l'audiovisuel, et au principe de la musique classique et du piano à la Jérusalem Academy of Music and Dance. Pourquoi avoir suivi ces deux formations? Qu'est-ce que ça représentait pour toi, se demande Catherine. Alors Catherine, en sortant du conservatoire de théâtre, j'avais envie d'apprendre autre chose qu'être comédien. Étrangement, je sentais que ça suffirait pas. En tout cas, ça ne me suffisait pas. J'avais l'impression que si on faisait pas appel à moi, alors qu'est-ce que je pouvais proposer? Et puis il y avait d'autres choses que j'avais envie d'expérimenter. Donc j'ai fait du son à l'INA. Il y avait une formation à Brie-sur-Marne pendant un an.
C'était grâce ça s'appelait un CIF, un congé individuel de formation, un truc génial. Donc, grâce au Pôle emploi, j'ai pu faire une formation du son à la radio, la captation de concerts, des cartes postales sonores, mixer, faire du mixage de films et de la prise de son pour le film. Et donc, j'ai fait ça. J'étais perchiste, comme ça, avec des crampes au trapèze, ou alors chez moi, devant des ordinateurs, à mixer, c'est-à-dire à créer la patte sonore d'un film. C'est une chose que j'aime encore faire. J'adore j'adore le média radio, le média son. Et la musique classique, ça s'est fait plus tard, c'était en 2011. Parce que je crois que j'avais envie déjà j'avais envie de partir, j'avais envie de voyager, et puis Jérusalem était une ville que je connaissais bien, j'avais déjà vécu là-bas, je voulais absolument y retourner. Et j'avais envie d'apprendre des bases solides. Parce que j'ai une oreille, je pense, j'ai une facilité avec le piano, mais je cherchais une rigueur, je cherchais quelque chose sur lequel progresser. Et puis évidemment, là-bas, j'ai rencontré des gens dont c'est le métier. Des gens beaucoup plus jeunes que moi, des élèves, les Arabes israéliens étaient des violonistes incroyables, par exemple, des gens avec un niveau avec lequel moi, étrangement, quand j'étais là-bas, je me suis dit, c'est fou, je suis très heureux d'apprendre la musique, mais pourquoi je ne fais pas mon métier d'acteur? Donc j'ai fait ça pendant un an et je suis retourné en France et me suis remis à faire l'acteur comme j'aimais le faire, mais. Et je pense que j'aimerais apprendre d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire, mais la musique, c'est pour progresser. Et Adèle, elle se souvient que de ton Symbolis, au pays des mensonges, ouais. Nouvelle d'Edgar Keret. Peux-tu nous parler de ce projet? Pourquoi avoir choisi cet auteur israélien? Elle se souvient que tu étais accompagnée par un musicien avec qui elle était en classe au lycée. Et comment s'est passée cette collaboration? Incroyable. Est-ce qu'elle me pose cette question pour entrer en contact avec son copain du lycée? Non, je ne crois pas. Bon, alors l'expérience, c'est que le musicien, c'est Théophile Blancart, qui est musicien, compositeur, génial. Pour moi, un mec super fort, avec qui j'aimerais d'ailleurs retravailler. J'aimerais bien refaire quelque chose avec lui. Le projet de ce Singulis, c'est déjà cette mise en place, cette possibilité d'Éric Ruff, un acteur se confronte et s'essaye, se risque en solo sur scène avec le public du français. Et puis ça, c'est grâce aussi à l'ouverture d'esprit d'Éric. C'est-à-dire, c'est un auteur qu'il ne connaît pas. Qui demande à ce qu'on lui en parle, à ce qu'on l'intéresse. Et puis, il se dit, OK, voilà un acteur dans la troupe, lui, ça lui plaît, je crois que je vois quelque chose d'artistique là-dedans. OK. Et il donne les clés du studio théâtre avec une petite enveloppe et puis la géniale opportunité de se risquer à faire ça. Et ça... Alors maintenant, Keret, qui s'est fait connaître notamment fin des années 90 en Israël, et qui est traduit en français par Rosie Pinas Delpoche chez Actes Sud. Et c'est des nouvelles, et c'est toujours des gens qui dealent avec l'absurdité de la vie et qui font des choix totalement étranges mais qui sont pour eux normaux et même si ça leur paraît étrange ils considèrent qu'il n'y avait pas d'autre choix que de faire ces choix bizarres. Étrangement quand j'en parle ça paraît un peu confus et pourtant c'est ça aussi, c'est cette espèce de c'est des textes qui se cherchent à l'intérieur de leur propre vie. Ça me plaisait vachement de creuser ça et puis faire un solo.
Donc il y a une partie solo et après il y a Théophile qui est arrivé en background comme ça, musicien. Et moi j'avais monté ça comme une espèce de faux stand-up où je racontais ma vie, mais qui était en fait un découpage et un assemblage de plusieurs nouvelles d'Edgar Keret. Et je dois dire que c'est vrai que c'était une expérience. C'était extraordinaire parce que d'habitude sur scène, les regards sont partagés sur plusieurs personnages qui se trouvent sur le plateau. Or, quand on est tout seul, on se prend l'attente de toute la salle en pleine face. Et on est venu leur raconter quelque chose et eux ne savent pas trop quoi. Certains en ont une vague idée, mais ils ne savent pas le son ni l'image que ça aura, ou l'ambiance. Et ça, je dois dire que je crois que j'ai renouvelé le track avec un Singulis. Je ne suis pas tracker, je suis très excité à l'idée de monter sur scène, ça ne me fait pas du tout peur, j'adore ça. J'ai pas. Ouais, non, j'ai pas le trac. Et par contre, pour ce Singulis, j'ai retrouvé des attitudes de le cœur qui bat trop fort, la gorge qui se serre, la salive qui s'en va, les jambes qui tremblent, persuadé d'avoir un trou en entrant sur scène. Enfin, vraiment, comme si j'avais redécouvert un peu les débuts de mon métier, quoi. Et donc finalement c'est génial, ça booste. J'aimerais beaucoup le refaire. J'aimerais beaucoup essayer ça et mieux. Enfin en tout cas plus. De toute façon il y aura de la musique, mais c'est vrai j'aimerais bien réessayer un truc comme ça. Et quel registre tu préfères jouer? Quelle émotion est-ce que tu aimes transmettre au public? Se demande Alice. Alors. Moi, j'aime, c'est pas des émotions, mais j'aime jouer des gens qui se démêlent, qui ont des dilemmes très forts, qui sont coincés et qui vont tout faire pour s'en sortir, qui font des choix cornéliens, comme on dit. Ça m'excite énormément et se débattre, être tiraillé. J'aime que ce soit dangereux, complexe, que y a un très grand risque. Ça, j'adore. L'émotion que ça suscite, ça, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup sentir le spectateur faire ce geste-là, voilà, qui se rassoit, il est dérangé, ça sue un peu dehors et dans sa tête. J'aime le là, j'aime le, j'aime ce, j'aime le déséquilibre, j'aime le J'aime mettre le je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ça, ce métier. J'ai l'impression que je dis des banalités, que les spectateurs soient tendus vers une résolution quasi impossible. OK? Et Pareil. Daniel aimerait savoir d'où vient cette immense profondeur en toi cachée derrière une bonhomie apparente. Elle trouve que c'est envoûtant. Cette impression, elle vient de Daniel. Vient pas de... Incroyable. C'est comme ce que je disais, c'est ce qu'elle voit. C'est ce que c'est-à-dire, c'est moi, je sais pas ce que je vibre chez les gens, dans le public. Aucune idée d'avoir une bonhomie, d'être envoûtant ou ça peut me plaire, ça me plaît totalement d'ailleurs de savoir que je suscite ça chez quelqu'un. Mais d'où ça vient?
je sais pas, c'est quand même mais je pense que ça rejoint aussi ce que je disais de ce que j'aime faire sur scène, c'est être avoir à se débattre, c'est aussi être j'aime beaucoup être quand les personnages sont ambigus, ambivalents, mystérieux, imprévisibles. Donc, sans doute, c'est ça qui rendrait la chose envoûtante, si ça marche. Par exemple, dans Fanny Alexandre de Julie Deliquet, c'est un personnage comme ça. Le personnage de Aaron Redzinski, c'est quand même un. On ne sait pas trop s'il est magicien, s'il n'est pas magicien, quel mystique il porte en lui, la force. Qu'il peut insuffler dans les mots qu'il choisit, genre une force magique, j'entends. En même temps, c'est des rôles qu'on me propose, donc j'imagine que je dois aimer ça, transpirer ces possibilités-là, par exemple. Et Mélanie aimerait savoir ce qui te touche au théâtre en tant que spectateur. Alors, plusieurs choses. D'ailleurs, d'abord, moi j'adore être assis dans la salle Richelieu ou le Vieux Colombier ou le Studio Théâtre, qui sont nos trois salles aux Français. Et moi j'adore voir mes copains jouer et être assis parmi le public. Je suis très excité pour eux. Ça m'émeut d'ailleurs souvent parce que je connais ce plateau. Je connais l'excitation et la difficulté de ces plateaux-là qu'on a, de ces salles. Et quand je les vois au travail, au turbin, comme j'allais dire, ben ça me touche, par exemple. Après, moi, j'adore que l'acteur, en même temps que le personnage, montre au public que l'acteur sait très bien qu'on est là et qu'on le regarde. C'est-à-dire pas cette chose. Je suis moins sensible au spectacle qui se déroulerait avec ce public-là ou un autre le lendemain. J'aime beaucoup le... ça me touche vachement quand je me rends compte que ce qui est en train de se passer devant moi sur scène, c'est parce que ce soir-là dans la salle, c'est nous comme public et pas un autre. Et donc je sens qu'on prend appui sur moi et sur tout le public, que l'acteur, en même temps qu'avec son personnage et tout le spectacle, se sert du public comme tremplin. Et il y a cette espèce d'aller-retour indispensable, nécessaire, utile. Ça me touche beaucoup. Et je vois d'ailleurs à côté de moi, parce que quand quelque chose m'émeut, je regarde souvent aussi les spectateurs pour voir quel effet ça donne. Est-ce qu'ils sont aussi touchés par ça? Est-ce qu'on s'est rendu compte de la même chose? Et souvent, moi, j'ai l'impression quand le public a le sentiment que c'est pour lui ce soir et pas un autre, il est fier d'être ce public. Il se sent important d'être là, il en est d'autant plus heureux. Et ça me touche beaucoup, cette importance qu'on peut donner aux gens qui sont venus ce soir-là et pas un autre. Et tout l'effort que ça a pu leur demander de venir à l'heure au spectacle et de rester, par exemple. En 2007, tu as monté une pièce autour de l'œuvre de Charlotte Delbault et tu as fait également une lecture lors de ton grenier des acteurs en 2017 à la coupole d'un extrait d'un de ses ouvrages. Comment as-tu découvert Charlotte Delbault, se demande Victoria, et quels sont les liens qui t'unissent à cet auteur? Alors, Victoria, Charlotte Delbault, je pense que j'ai découvert ça il y a sans doute 15 ans. Je ne saurais pas exactement comment, mais
Je ne sais pas qui m'a mis dans les mains un exemplaire de « Aucun de nous ne reviendra », qui fait partie d'une trilogie qui s'appelle « Auschwitz et après », c'est-à-dire « Une connaissance inutile et mesure de nos jours », trois livres. Cette trilogie qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et c'est une résistante communiste qui était l'assistante de Louis Jouvet, assistante particulière de Louis Jouvet. C'est elle qui notait en sténo ses cours pour les retranscrire et plus tard les publier. Ils ont été publiés chez Gallimard. Ça s'appelle Molière et la comédie classique, je crois, une chose comme ça. Et Charlotte Delbault, elle a été déportée à Auschwitz et à Ravensbrück et à Raïsko avant, un petit camp entre eux. Et la façon dont elle n'est pas juive, mais la façon dont elle parle des camps, elle a écrit de telle sorte à ce que quand on lit, on ressent au présent ce qu'elle est en train de vivre pendant qu'elle nous en parle. C'est très étrange pour de la littérature Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que, en tout cas, ça m'a tout de suite percuté parce que il y avait la nécessité de la sensation, c'est quand même de la avoir chaud, avoir faim, avoir soif, avoir la douleur, le désir, l'envie, le regret. Mais comment ça progresse en elle et l'effet que ça fait. Pour moi, c'est de l'ultra présent, la façon dont elle écrit. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, l'ultra présent. En tout cas, du présent renouvelé, qui s'éteint pas. Et c'est sans doute aussi parce que moi, mes grands-parents qui avaient, mes grands-parents côté paternel, qui avaient vécu la guerre et les camps de concentration, et dont les familles respectives de mes grands-parents étaient morts dans les camps, et ben, j'avais eu peu d'informations sur ce qu'eux avaient vécu. À part qu'ils avaient vu, ils avaient perdu des frères, des sœurs, leurs parents eux-mêmes. Et donc, à part les livres d'histoire et les documentaires qui commençaient à fluer, là, tout d'un coup, j'avais une parole de la part de Charlotte Delbault. J'avais quelque chose de très précis. J'avais un décor, des sensations. C'était mêlé au théâtre parce qu'elle était assistante de Louis Jouvet. Donc, il y a énormément de références à des pièces de théâtre auxquelles elle s'accrochait pour ne pas perdre la mémoire en camp. Et donc, évidemment, ça rejoignait ce métier que j'aime, d'acteur. Voilà, je crois que c'est un. Je pense que elle se promène en moi, Charlotte Delbault. C'est comme une amie, mais je ne sais pas si elle aurait aimé qu'on soit amis. Et puis, je suis vachement pudeur par rapport à puis elle n'est plus là, mais. Je voulais faire entendre comment je le lis et comment je l'entends en moi. Je voulais le faire entendre à la Comédie Française. Donc, Eric a mis en place quelque chose qui s'appelle le grenier des acteurs, qui sont le livre qui vibre en nous et qu'on va dire à une audience venue dans la coupole, là-haut, à peu près une centaine de places, un peu moins. Et ça, pour moi, c'était une grande opportunité aussi de faire résonner au présent les mots du présent de Charlotte. Et je pense que je vais faire autre chose avec Delbault. Je pense que je vais faire je vais essayer de faire de l'image avec ce qu'elle a écrit. Mais voilà ce que je peux dire d'elle. Et quels sont tes autres livres de chevet et ton rapport au texte ? S'interroge Christelle. J'ai pas de livre de chevet. Là, j'ai parlé de Charlotte Delbault, mais je crois que j'avance avec les livres qu'on me conseille, ceux sur lesquels je crois
sur lesquels je crois tomber dessus par hasard. En ce moment, je lis Michel Pastoureau sur les couleurs. Génial, génial. Sur des livres par couleur. La couleur verte, tout le vert de l'Antiquité à nos jours, tout le bleu de l'Antiquité à nos jours, tout le noir de l'Antiquité à nos jours, tout le jaune de l'Antiquité à nos jours. Ça, par exemple, en ce moment, je lis Boris Cyrulnik sur la résilience et Désobéir de Frédéric Gros. Voilà, par exemple, un livre qui m'a été offert par Christian Gonon sur ce que c'est que obéir et désobéir, ce que c'est que le consentement, l'engagement, la place du mot non en soi et dans la société. C'est-à-dire la place du mot oui en même temps. Voilà, par exemple, c'est. Donc, j'ai pas de je. Vraiment, je. Pas, j'avance de livre en livre comme ça et ça se renouvelle à côté de mon lit. J'adore. J'adore écouter. J'adore me balader dans la rue et écouter. Et écouter des livres ou des films d'ailleurs. Je me mets un casque, je me mets sur YouTube ou je mets un film ou un film dont j'ai extrait la piste son et je l'écoute. J'écoute en me baladant dans Paris, dans la forêt. Donc, une autre façon de lire en plus, ça s'inscrit en moi différemment. Si on reste dans le domaine du son, dans les podcasts des aventures de Tintin, lus par les comédiens de la Comédie française sur France Culture, tu tiens le rôle de Tintin. Et Éloi voudrait savoir comment se sont passés les enregistrements. Est-ce qu'on joue différemment devant un micro d'enregistrement? Ah ouais, bien sûr. En tout cas, devant un micro, devant un micro, on joue. Déjà, Tintin, le Tintin, les albums de Tintin qu'on a enregistrés, c'est Benjamin Habitant qui réalise. Et moi, je ne lisais pas beaucoup Tintin quand j'étais enfant, ni ado. Et donc, je sais que je joue Tintin, le Tintin que lisait Benjamin Habitant, la façon dont il le lisait, comment il aimait lire, comment il se projetait dans Tintin quand lui était enfant et ce que ça lui procurait, ses peurs, ce qu'il attirait, ce qui était trouble, son excitation au voyage, à l'aventure. Mais je joue étrangement, ça vient pas de moi, ça vient de Benjamin Habitant qui réalise, donc moi qui ai été aux aguets de tiens comment. Et lui d'ailleurs, il nous dit non, chez moi, ça. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais voir ça, ça me faisait très peur, ce rapport à la boule de cristal, ou alors à la drogue, ou la momie, elle m'a toujours effrayé. Enfin, donc, déjà, on. Évidemment, on joue toujours la vision, même au théâtre, on joue le projet, l'espoir, la vision de quelqu'un. Mais il y a plus ou moins, en fonction du projet, la place pour y mettre soi. Et là, moi, je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est Tintin, ça devrait s'appeler comme ça, les albums Tintin de Benjamin Habitant. Mais c'est pas moi qui choisis le titre. Et maintenant, comment on joue pour un micro? Oui, si, c'est quand même une mécanique, tout est inversé. C'est-à-dire, quand je joue à gauche, c'est à droite pour ce qu'on appelle l'aquarium, là, en haut. C'est-à-dire, ceux qui écoutent, si je parle à gauche du micro, pour eux, c'est à droite. Alors, il faut que je sache. Parfois, on a des longues marches. En fait, on tourne en rond dans un tout petit sas et on donne le mouvement d'une longue balade dans laquelle le texte doit défiler. Et puis, tout d'un coup, si on passe... d'une route de bitume, d'asphalte qui va dans la forêt, alors pendant qu'on marche en rond, en cercle, la bruiteuse Sophie vient nous mettre des espèces de bandes magnétiques qui résonnent comme de la forêt, et tout d'un coup il ne faut pas trop marcher dessus, trop appuyer, sinon c'est trop bruyant. Enfin, c'est
il faut tout ramasser, tout concentrer. J'ai l'impression, en jouant pour les micros et en ramassant, ça demande encore plus de précision, encore plus d'assurance. Voilà, c'est passionnant. Franchement, créer des espaces immenses depuis un espace tout petit, c'est vraiment ça, c'est. Et puis, malheureusement, je crois que ça se perd de plus en plus. Il me semble qu'ils font des travaux à Radio France et que les studios fiction sont amenés à disparaître. Et ça, moi, je pense que c'est très dommageable. Parce que c'est une fabrication d'une très grande intelligence. Et c'est toujours infernal de voir des salles pleines d'intelligence détruites. Tu as fait aussi pas mal de doublage pour les films. Ouais. Plus jeune. Ouais, le doublage, ouais, j'en fais moins là. Le doublage, c'est arrivé par hasard. J'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien faire du dessin animé plus que des gens. Mais oui, j'ai dû doubler, je crois, La Chambre du Fils de Moretti, La Pianiste. Je crois qu'il y a Munich de Spielberg. Je crois que un des mecs qui est responsable du complot. Ça, c'est une autre façon de voir le métier. Cela dit, ça me fait penser. C'est une façon de rentrer dans quelqu'un d'autre, parce qu'on lui donne notre voix, mais sauf qu'il nous préexiste puisqu'il bouge. Son visage exprime quelque chose. Et il y a un truc comme ça aussi à la Comédie Française qui est que quand il y a des reprises de rôle, quelqu'un a créé, on dit créer le rôle, donc il l'a construit avec le metteur en scène, et puis l'année d'après, il ne peut plus le faire, et donc ça tourne dans la troupe. Donc Eric Ruff, en accord avec le metteur en scène, nous demande ou nous propose de reprendre tel ou tel rôle. Et c'est vrai qu'il faut marcher dans les pas du camarade qui nous précède. C'est-à-dire, quel était son parcours, lui, sur le plateau, ses faits et gestes, son intention aussi, sa dynamique, ses attitudes, qui sont des points de repère pour les autres camarades. Donc, il faut refaire ça comme il le faisait et qui, petit à petit, va devenir notre façon de faire. Ça me fait un peu penser à ça, le doublage. On rentre à l'intérieur d'une chose qui nous précède et on lui donne vie et corps. Sacré exercice, ça. Carlos, qui t'a adoré dans La Nuit des Rois de Shakespeare, aimerait savoir comment s'est passé le travail avec Thomas Ostermeyer, mais aussi comment as-tu construit ce personnage si décalé. Si décalé, ça doit être mon lot, hein, les gens à part. Ça doit être mon truc. Thomas Ostermeyer, il est décalé. Lui, il cherche totalement à savoir ce qui dérange, le dérangement excitant dans le public, où les gens vont regarder comme ça. Voilà. Lui, il cherche, c'est ce que je reçois de sa façon de travailler, comment on a travaillé. Thomas, il fait du storytelling, donc, c'est-à-dire qu'il demande à ce qu'on mette en scène entre nous, camarades de la distribution, des moments de notre vie dont les événements vont servir à jouer ce qu'on a à jouer dans la pièce. Donc, pour rattacher à une pièce qui est écrite 4 siècles plus tôt, des choses véritables, crédibles. Crédible, c'est autre chose. En tout cas, des choses que nous, on aurait traversées et par lesquelles il faudrait repasser. Donc, on n'invente pas à partir de rien, mais à partir de sensations réelles, des vibrations, des souvenirs. Voilà comment travaille notamment Thomas, tout ça très en groupe. Après, il a plusieurs théories sur
comment une scène doit se construire, progresser, climax, avoir la conscience qu'elle va redescendre et dans la redescente de l'intention de la scène, à quel moment on la redynamise pour jamais lâcher. C'est comme un écrivain comme ça qui a les ficelles, et pourquoi pas d'ailleurs, de comment tenir en haleine le lecteur pour tourner à chaque fois la page et poursuivre sa lecture. Le personnage décalé maintenant, il est très étrange, ce personnage de Antonio dans La Nuit des Rois. C'est quand même un mec qui vit seul sur son île, c'est une espèce de pirate, on ne sait pas trop, c'est pas un Robin des Bois, il pique pas aux riches pour donner aux pauvres, mais par contre il est bien content de piquer aux riches, et puis il fait son petit commerce en plus. On n'a pas développé ça, je vous raconte des choses dont on a parlé beaucoup. Et puis il est amoureux d'un, réellement amoureux d'un jeune garçon dont le jeune garçon ne semble pas vraiment comprendre quoi faire ou pas savoir vraiment quoi faire de ce sentiment. Il sait qu'il doit la vie à Antonio parce qu'il s'est fait repêcher par Antonio. D'ailleurs, la scène de fin où je suis là parmi cette scène de fin où chacun est un peu troublé des sentiments par lesquels il est passé, de l'amour qu'on a donné en tant que roi vers une fille, mais qui était en fait un garçon ou inversement, et moi qui ai toujours été épris de ce garçon, mais qui, en pensant que c'en était un, enfin je me suis fait à un moment avoir parce que c'était une fille, puisque c'est des jumeaux dans la pièce, fille garçon, il m'a mis à l'intérieur de ce quatuor au dernier moment. Moi j'en faisais pas partie, et je suis un peu cette tache noire de ce mec bronzé, huilé à la peau tannée dans cette espèce de royaume à la peau blanche et rose, poudré. Donc oui, ça crée un contraste, ça doit créer un décalage maintenant. C'est quand même un... Je fais pas partie de la grande histoire de la Nuit des Rois. Antonio, c'est pas un personnage dont sur laquelle l'histoire repose. Donc déjà, si c'est décalé, c'est qu'il est il est satellite, et puis il a sa propre problématique. Et justement, le fait que Thomas me fasse rentrer à l'intérieur de la grande histoire à la fin, ça bouscule aussi, ça doit accentuer ce décalage, cette chose à part, puisque ça la met en lumière un peu plus, par exemple. C'était génial, ça, c'est un spectacle de copains, de troupes. C'était, malheureusement, on l'a, comme tant de spectacles, on ne l'a pas terminé à cause du confinement. Donc on avait la reprise, et puis je crois qu'il y a quand même 12 ou 13 dates, on s'est arrêté avant de les faire, et je ne sais pas si un jour on le reprendra jamais, mais... voilà. Est-ce que tu as des envies de mise en scène, d'auteur, de texte, de projet qui te tiennent particulièrement à cœur? Ouais, j'ai plus des envies d'écrire là. J'écris quelque chose en ce moment. Un livre, quoi. En tout cas, ça a la gueule d'un livre, dans mon imaginaire. Dans la mise en scène. En tout cas, je sais que si je m'y attelais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Je sais que je ferais quelque chose, comme je le disais, qui dépendra du public. Il y a certaines pièces comme ça qui m'intéressent, contemporaines, parce qu'elles sont plus malléables et plus souples pour faire rentrer l'importance.
et l'identité unique du public du soir à l'intérieur de celle-ci. Et ouais, j'ai des envies, j'aimerais bien. On verra quoi. Je sais pas, pardon, c'est pas très. Je garde rien de secret, c'est vrai, je lis des pièces, je découvre, mais là, comme j'ai la tête dans une chose plutôt que j'écris, pour l'instant, je suis dedans. Quand même un sacré. Quand même un métier incroyable, metteur en scène. Il faut dealer avec les personnalités de chacun, il faut c'est une chose tellement intime. On se découpe quand on est metteur, j'ai l'impression qu'on se découpe dans chaque personnage et dans chaque attitude des gens, des acteurs qu'on a choisis pour incarner. On montre publiquement un monde auquel on a pensé en voulant monter telle ou telle hauteur. On montre un paysage, un décor, une ambiance, une sensation. Et ouais, évidemment que ça m'intéresse, évidemment. Pour terminer cette causerie, est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes plus beaux souvenirs sur scène, souvenir de Léa ? Moi sur scène ou que j'ai vu ? Toi sur scène. Ah, donc vécu de l'intérieur ? Oui. Ok. Vécu de l'intérieur, je dirais aux Français, La Nuit des Rois, Vania, Julie Duliquet, Fanny Alexandre, Julie aussi. Hors les murs, comme on dit, Maskené, ça c'était Igor Menzhinsky et la compagnie Les Sans Coups. Ou un spectacle qui s'appelait Petit boulot pour vieux clown de Matthew Wichniak, qui est roumain. Et c'est un ami qui s'appelle Victor Pérez. J'avais fait ça avec des copains, avec Assad Bouab, François Matt, c'était du clown, du masque. Ça, c'était ça de l'intérieur. Ça, moi, le masque, j'adore ça. C'était très fort comme expérience. Voilà. Ouais, voilà, de l'intérieur et de l'extérieur, le poussière aux Français, ça pour moi, je trouve ça sublime, de Lars Norén, notamment, je dis ça, c'était il n'y a pas longtemps, ça, c'était vraiment incroyable. À l'extérieur même du français, je sais, Contes et légendes de Pommerat, qu'est-ce que c'était beau. Évidemment, Mnouchkine, ça, le dernier caravansérail, ou Les Éphémères, Tambour sur la digue que j'ai vu seulement en vidéo. Ben voilà quoi. Merci beaucoup, Noam, d'avoir partagé ce chaleureux moment avec nous. Avec plaisir. Vous retrouverez demain Jérôme Pouli et vendredi Clotilde Bèze. Très belle soirée et merci encore, Noam. Salut, merci.